Donc j'ai proposé de vous parler ce matin de Lean Software Development, ou plus précisément, comment tirer du Lean Management les fondamentaux de l'agile. Alors puisque nous sommes censés être dans un temple du rugby, j'aurais pu aussi vous parler rugby. Pour ceux qui le voient bien, mon nez un peu éclaté témoigne peut-être pas de ma compétence dans le domaine, mais au moins de mon engagement dans les môles. Il y a déjà quand même pas mal d'années. Donc je vais vous rester quand même 30 secondes sur le rugby pour vous dire bien que se passe-t-il lorsqu'au rugby on a des soucis, lorsqu'on commence à avoir des difficultés. Eh bien, prenez Marc Liévremont, que dirait-il ? Alors, tout d'abord, entre parenthèses, Marc Liévremont, il me prive d'une blague de potache que me permettait son prédécesseur, c'est « prenez la porte, non, ne partez pas ». Bon, revenons à Marc Liévremont, que dirait-il ? Eh bien, il dirait « on revient aux fondamentaux ». Encore faut-il se mettre d'accord sur ce que sont ces fondamentaux. Pour les All Blacks, vous connaissez les PPP, possession, rythme, position. Pour Marc Liévremont, si on revient encore à lui, ce serait plutôt BAM, bière d'après-match. Pour moi, je vais régler le problème du suspense en vous disant tout de suite que pour moi, les fondamentaux de l'agilité, c'est le standard, standardisation, automatisation, dialogue et intelligence collective. Ça fait sadique. Ce n'est pas un jugement de valeur, ce sont les initiales. Donc, standardisation, automatisation, dialogue et intelligence collective. Et je pense qu'on y reviendra tout au long de ces quelques transparents. Alors, qu'est-ce que l'agilité ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas chercher à répondre à la question. Tout juste, je pourrais vous dire ce que l'agilité n'est pas. Je pourrais aussi faire un sondage parmi vous pour savoir qui pratique l'agilité un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pour ceux qui répondraient « oui, je pratique », je dirais tout simplement « bravo, je vous félicite et continuez ». Pour ceux qui ne pratiquent pas, ne vous inquiétez pas, pas de critique. Je ne dirais pas que vous êtes de vieux has-been qui ne savez pas maîtriser les projets, les délais, les coûts, etc. Et contrairement à ce que l'on vous dit souvent, que si on vous cite le rapport CAO, selon lequel seulement 30% des projets classiques sont un succès, je vous ferai remarquer qu'aux États-Unis, on utilisait les cycles en cascade, et même pas en V, jusque dans les années 90. Mais ce sont quand même ces projets-là qui ont permis à l'homme de poser le pied sur la Lune, qui ont permis à Airbus et Boeing de faire des avions qui, en général, volent. Donc, tout n'était pas forcément mauvais dans les projets classiques. Et le middle management n'a pas forcément beaucoup à s'en faire. Il y a encore de la place pour lui. Et si j'ai le temps, je répondrai à la question sur... je peux d'ailleurs y répondre tout de suite, très rapidement. J'espère ne pas prendre trop de temps sur mon... J'ai coaché en fait mon fils qui a fait un stage dans une très grande entreprise où son objectif a été de montrer que toutes les décisions qui étaient prises sur le terrain, parce qu'il faut, et ça on y reviendra à savoir, que la principale caractéristique du Lean et de l'agilité, c'est de considérer que les solutions aux problèmes, les meilleures solutions sont sur le terrain. Mais, il y a un petit mais, c'est que si l'on examine les gros pépins qui remontent à la direction, eh bien, si on avait examiné tous les petits pépins qui se sont produits sur le terrain, si on en avait eu connaissance et si on avait examiné le pourquoi du comment on les a contournés, et en général on les a bien contournés, mais en les examinant et en tirant des conséquences, on aurait évité les gros. Donc, l'équipe de terrain, on doit aussi lui permettre de faire remonter toutes les décisions et de donner aussi une bonne visibilité au-dessus. Et c'est le rôle de quelque chose qui est très important, qui est l'animation à intervalles courts. On fait un scrum tous les matins, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, de temps en temps, se réunir au-dessus pour savoir ce qui se passe.
Alors, je reviens à l'agilité. En fait, l'agilité, elle est née, enfin, elle est devenue visible en 2001 avec le Manifeste Agile. Manifeste Agile que je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas par cœur, à aller lire sur le web, mais faites-en une bonne lecture. Par exemple, logiciel fonctionnel plutôt que documentation complète ne veut pas dire pas de documentation du tout. Ne faites pas d'erreur de lecture. Que dire encore? Bon, on vous dira, si vous demandez à un agiliste qu'est-ce que c'est que l'agilité, qu'est-ce que c'est que Scrum, qu'est-ce que c'est que XP, eh bien, il va vous citer pour Scrum, le stand-up meeting tous les matins, il va vous citer pour XP la programmation en binôme, etc., etc. Tout ceci ne sont que des cérémoniaux, des méthodes, etc. La mise en place d'un cérémonial n'est jamais un objectif en soi. Il y a toujours derrière la mise en place d'un cérémonial un but à atteindre. Donc, si on ne connaît pas ce but, on peut aussi mettre ce cérémonial en place pour rien et, je dirais, en pure perte et perdre plus que ce que l'on gagnerait. Donc, effectivement, l'agile ne se réduit pas à ces cérémoniaux. Alors, pourquoi je vous parle de Lean? En fait, le Lean est né dans la production, je vous dirai comment et pourquoi, et on considère aujourd'hui qu'il est un surensemble de l'agilité. En fait, le Lean a démontré tellement de gains dans la production qu'il est passé progressivement au management en général et aujourd'hui dans les services. Il y a effectivement beaucoup de gains à faire dans les services, de gains surtout en termes de satisfaction client que l'on oublie souvent. On ne va pas tout à fait remonter à l'âge de pierre, mais au début du Lean, en fait, le terme Lean est né au MIT en 87, sous la plume de chercheurs qui se sont intéressés à la progression de Toyota, en se demandant comment avait fait Toyota pour rejoindre les grands du secteur automobile. Effectivement, le Lean dans la production est né chez Toyota. Lorsque Monsieur Toyoda a quitté le métier à tisser pour se lancer dans l'automobile. Alors, lorsqu'il a décidé de faire de l'automobile, il a regardé de très très près le Fordisme, comment avait fait Ford. Et pour ne rien vous cacher, je pense qu'il aurait très volontiers, il serait très volontiers parti sur les mêmes pas que Ford, qui était une entreprise, l'entreprise phare du moment. S'il n'a pas fait du Fordisme pur et dur, c'est tout simplement qu'il n'en avait pas les moyens. Donc, à l'origine du Lean, il y a les énormes contraintes de Monsieur Toyota au sortir de la guerre, parce qu'il n'avait bien évidemment sur le marché du Japon pas le marché de Ford aux États-Unis. Il avait au sortir de la guerre des approvisionnements incertains et bien évidemment aussi pas les moyens financiers nécessaires. Donc, on peut se demander si aujourd'hui nous avons nous aussi quelques contraintes, si le lean et l'agilité ne peuvent pas nous aider à nous sortir de ces contraintes. Pour aller droit au but, je vais tout de suite vous donner le résumé presque exhaustif de ce qu'est l'agilité sous une citation de Taishi Ono, qui était l'un des ingénieurs. Cheville ouvrière principale du Lean. Tout ce que nous faisons, c'est de surveiller le temps qui s'écoule entre le moment où le client nous passe commande et celui où nous encaissons l'argent. Nous réduisons ce temps en éliminant tout ce qui est gaspillage et n'apporte pas de valeur ajoutée. En fait, tout le Lean management est là. C'est comment réduire ce temps, qu'on va appeler le lead time, pour, en gros, améliorer le cash flow de l'entreprise. Pour vous, le lead time, ce sera en gros le temps de release ou le temps de livraison au client. Alors, il y a des sociétés qui ont un temps de lead time quasi négatif, c'est la Poste, parce qu'elle encaisse l'argent de votre timbre bien longtemps avant d'avoir livré votre missive. Mais il n'empêche quand même qu'elle doit faire un effort pour réduire ce temps de livraison.
En deux mots, quelle est la différence entre le taylorisme ou le fordisme et la vision lean? C'est que pour faire un très très grand nombre d'automobiles et pour produire en grande quantité, dans tous les cas, il vous faut en général une armée de bras. Si vous organisez cette armée de bras avec quelques très très bons ingénieurs, armée de chronomètres qui vont chronométrer chacune des tâches, chaque processus, etc., vous arriverez certainement à un optimum et vous produirez de façon certainement très très efficace. La différence avec le Lean, c'est qu'on va considérer que dans cette armée de bras, chaque couple de bras, chaque paire de bras, est aussi surmonté d'un cerveau. Et qu'on a peut-être intérêt à utiliser ce cerveau pour, sur le terrain, essayer de résoudre des problèmes. Et donc, améliorer, optimiser les processus, en sachant que la meilleure solution, elle est presque toujours sur le terrain, auprès de l'opérateur qui connaît son problème, qui a vu surgir le problème. C'est en général lui qui le résoudra le mieux. Donc, on va essayer d'améliorer les processus de façon continue et d'éliminer, comme le disait Tachi Ono, éliminer tous les gaspillages. Le Lean Management, le Lean en général, on le symbolise souvent par un temple à deux piliers dont le toit symbolise la satisfaction client. Alors pourquoi la satisfaction client? Non pas que les pratiquants de Lean ou les agilistes soient des bisounours, mais simplement parce que on considérera que la satisfaction client est gage de succès, de compétitivité et de survie de l'entreprise. Dit comme ça, je suis sûr que vous pensez, c'est évident. Ça n'est pas évident pour tout le monde. Prenez l'exemple, encore aujourd'hui, de la plupart des opérateurs de télécom. La satisfaction client, c'est un de perdu, 10 de retrouvé. Le service client au Maghreb, au mieux. Et bon, comme le disait encore lundi dernier mon opérateur, à qui je menaçais presque d'aller à la concurrence, il me dit, mais allez voir, là-bas, c'est pareil. Bon. Donc, on n'est pas du tout partout, dans toutes les entreprises, sur la satisfaction client. Alors, encore une fois, c'est la ligne bleue des Vosges, c'est la visée, parce qu'on considère qu'à long terme, c'est un bon point de mire. Tout cela va s'appuyer sur quelque chose qui résume, en fait, ou qui exprime la phrase de Taichi Ono, qui est un temps d'écoulement minimum, un lead time minimum, le moindre coût, la meilleure qualité. En Lean Service, quand on parle de satisfaction client, on dit que le client, si on se place du point de vue client, c'est « donnez-moi ce que je veux, où je veux, quand je veux, de la meilleure qualité possible, au meilleur coût, en résolvant complètement mon problème et sans me faire perdre mon temps. Bon, » Essayez d'appeler n'importe quel service client. Si vous avez l'impression que votre problème a été complètement résolu et qu'on ne vous a pas fait perdre votre temps, c'est que l'entreprise à l'autre bout était lean. Sinon, elle ne l'était pas. Pour arriver à cela, on va s'appuyer sur deux piliers et deux séries d'outils que l'on désigne sous le nom de Ejunka et Kaizen, qui sont peut-être des mots dont vous avez entendu parler. Le juste à temps, c'est quoi? En matière de production, c'est relativement simple. Supposons que vous ayez 3000 mixeurs et 1000 machines à café à produire par mois. Et si vous êtes bien organisé, tayloriste, vous allez pendant 3 semaines produire à fond d'excellents mixeurs, vous allez les emballer, les stocker, et puis la dernière semaine, vous fabriquez vos 1000 machines à café. Lorsqu'elles sont emballées, vous mettez tout ça dans un gros camion et vous envoyez ça dans une centrale de distribution. Si vous êtes lean, vous allez examiner votre mix produit et essayer de le tirer chaque jour en disant, ben, chaque jour, si je fabrique 6 mixeurs, 2 machines à café, je les emballe et le lendemain matin, je mets ça dans une toute petite camionnette et je vais faire le tour de mes distributeurs. Je n'aurai pas forcément besoin de passer par une grosse centrale de distribution
Et si mon centre de production n'est pas loin de mes distributeurs, ça me coûtera sans doute beaucoup moins cher. En tout cas, j'aurai gagné au moins 3 semaines de stock, c'est-à-dire un énorme cash flow. C'est comme ça que Toyota s'est installé en France, alors que nos constructeurs automobiles vont s'installer en Europe de l'Est. En matière de production logicielle, le juste à temps, c'est, comme dans l'industrie, installer un flux continu, lissé et tiré. Alors, flux continu et lissé, c'est comme la prose, comme M. Jourdain qui faisait de la prose, vous en faites tous les jours, même dans vos gants traditionnels. C'est-à-dire que vous alignez vos tâches, bout à bout, les tâches critiques surtout, puis ensuite vous organisez pour lisser vos ressources de façon à ce que personne ne se tourne les pouces ou le moins longtemps possible. Tirer les flux, on ne le fait jamais dans les méthodes traditionnelles. Tirer les flux, ça veut dire réaliser chaque tâche au moment où quelqu'un me le demande, c'est-à-dire en gros où le client me le demande, c'est-à-dire ne jamais anticiper, ne jamais fabriquer des choses que je ne livrerai pas tout de suite et donc que je ne facturerai pas tout de suite. Ça, on y reviendra longuement sur cette notion de flux tiré. Monsieur Toyoda avait déjà, bien avant de faire des automobiles, mis en place des outils dans ses métiers à tisser. Bon, vous imaginez que dans le métier à tisser, un fil qui casse, c'est une catastrophe. Le temps qu'un opérateur s'aperçoive que le fil s'est cassé, qu'on arrête le métier à tisser, que l'on répare, que l'on redémarre, on a perdu du temps, de la matière, etc. Donc il a tout simplement inventé quelque chose d'absolument fantastique, c'est le petit palpeur sur le fil casse, la machine s'arrête instantanément. Donc, s'arrêter au premier défaut, s'arrêter tout de suite. En matière de production logicielle, c'est la même chose. Si vous avez d'un côté une équipe de production, de développement, de l'autre côté une équipe de test. Si vous attendez pour livrer ou terminer les tests la veille de la livraison, en y passant le week-end, etc., etc., il y a de fortes chances pour que ça ne se passe pas bien. L'idée là, c'est effectivement de s'arranger, de s'organiser pour produire le moins de défauts possible, et donc en particulier des tests au fur et à mesure de la fabrication. Donc commencer par les tests et les réaliser, les automatiser complètement au cours de la fabrication. Tout cela, et c'est très très important, doit s'appuyer sur un socle très très stable, qui est le travail standardisé. C'est-à-dire tout doit être standardisé et rien n'est fait au hasard. Et tout cela tourne et est amélioré en permanence par l'intelligence collective, par les gens du terrain. J'ai repris très rapidement ce même schéma, c'est beaucoup moins joli, mais j'ai toujours le chapeau qui est réduire les temps d'écoulement et les gaspillages, et mes deux piliers que j'ai traduits par éliminer les non-valeurs et faire apparaître les problèmes. C'est une traduction, je passe très vite, mais vous voyez par exemple que produire la qualité, je traduis ça essentiellement par faire apparaître les problèmes. Par exemple, dans un cycle traditionnel, on parle toujours de l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'on livre et on va s'apercevoir, ou le client va s'apercevoir d'un certain nombre de problèmes au bout de 6 mois, lorsqu'on sera arrivé au bout du tunnel. Donc là, l'idée, c'est faire apparaître les problèmes le plus rapidement possible, et on verra comment. Alors, très rapidement, réduire les gaspillages. Je vais vous exposer en gros quels sont les types de gaspillage que l'on rencontre. En utilisant le vocabulaire japonais, on va avoir le muri, qui sont les excès déraisonnables issus de standards inadaptés. Alors ça, typiquement, n'en déplaise à quelques personnes qui sont peut-être encore dans l'assistance, là, que je connais bien, les normes ISO des années 2000, c'était à bon sens, en termes de productivité, une catastrophe. Les murats ou gaspillages subis issus d'irrégularités. Alors là, ça c'est le grand domaine du Six Sigma, dont vous avez peut-être entendu parler, qui consiste à dire tout ce qui se mesure s'améliore.
Je n'en parlerai pas, il faut beaucoup s'en méfier, parce que c'est comme cela qu'un certain nombre de gens ont voulu faire du lean, et mesurer, pour revenir à la poste dont je parlais tout à l'heure, mesurer le temps moyen qu'un postier doit passer pour remettre un recommandé, et lui taper sur les doigts s'il a mis 30 secondes de plus ou 3 minutes de plus, c'est absolument contre-productif à tous les sens du terme, y compris sur le cash flow de l'entreprise. Donc ça fait partie des mauvais conseilleurs. Troisième type, ce sont les MUDA, les gaspillages délibérés, pertes, rebuts, activités inutiles, que je vais très rapidement essayer de vous détailler un peu. Les MUDA de déplacement, vous voyez bien évidemment clairement que si vous envoyez un opérateur à l'autre bout de l'atelier pour chercher un outil, il va perdre du temps. En matière de développement logiciel, c'est le passage d'une tâche à l'autre. Passer d'une tâche à l'autre peut occasionner beaucoup de pertes de temps, donc il faut savoir organiser, soit pour ne pas avoir à passer trop souvent d'une tâche à l'autre, soit pour l'automatiser complètement. Les MUDA de rebut, rejet, ça c'est clair, ce sont les défauts, les bugs, il est clair que ce sont aussi les gaspillages. Les stocks. Alors les stocks, c'est un peu plus subtil. En production, il est clair que stocker 1000 voitures sur un parking, ça coûte le prix du parking, ça coûte le prix des 1000 voitures à produire, que vous ne facturez pas tout de suite au client. En matière de logiciel, on n'a pas l'impression que le stock coûte. Parce que le stock, on pourrait dire, ça coûte le prix de la surface disque et au prix du teraoctet d'aujourd'hui, ça ne coûte rien. En réalité, c'est là que se trouvent vos plus grands gains de productivité. C'est en gros faire un module que vous ne testerez pas tout de suite ou que vous ne livrerez pas tout de suite à votre client. Ça, c'est une catastrophe en termes de gaspillage. La surproduction, ce sont les fonctionnalités inutiles. Alors là, un rapport de HPCast qui doit dater de 2009 signalait que dans les collectivités locales et les ministères, on dépensait à peu près, je ne sais plus exactement, c'est entre 6 et 10% pour maintenir des applications qui ne servent à rien. Donc, ça n'est pas la peine de surproduire et de produire alors, sauf bien évidemment, on y reviendra peut-être, si le client y tient vraiment, bon, vous livrez. Les MUDA de transport, alors ça, il est à peu près clair que pour tout le monde que transporter des morceaux d'avion pour les assembler, c'est une source de gaspillage. Pour le développement logiciel, c'est tout ce qui est transmission d'informations, de code, transfert de fichiers, etc., est aussi potentiellement une source de gaspillage. Les MUDA d'attente, ben ça, c'est attendre la décision d'un chef ou d'un client, etc. C'est aussi une perte qu'il va falloir aussi chercher à réduire. Quant aux MUDA de traitement, eh bien, ce sont tous les processus, documents inutiles, etc. Je vous rappelle que documents inutiles ne veut pas dire pas de documents du tout. Voyons maintenant comment éliminer les valeurs dans les processus. Alors, je vais passer très rapidement. En fait, ça consiste à examiner toute votre chaîne de valeurs, toute votre chaîne de processus. Et pour chaque processus, vous demandez si ce processus apporte de la valeur ajoutée à votre client. S'il en apporte, on optimise ce processus. S'il n'en apporte pas, il se peut qu'il n'apporte pas de valeur au client, mais qu'il soit complètement nécessaire. Donc dans ce cas-là, on va le réduire au strict minimum. Et s'il n'en apporte pas, on va éliminer le processus. Et ça, on y arrive parfois. Il y a c'est parfois très très difficile à repérer seul qu'un processus est inutile. Mais c'est un exercice quand même relativement intéressant. Maintenant, on va revenir à l'élimination des non-valeurs dans les flux tirés et lissés. Très rapidement, il y a je vais considérer trois types de flux. Le flux de matière qui va traverser les processus. Le flux de travail qui est une suite d'opérations à l'intérieur de ces processus. Et les flux d'information. Alors flux d'information, je considère flux d'information des flux qui permettent de synchroniser les deux autres flux. Dans le cas du développement logiciel,
La production du logiciel, c'est le flux de matière. Pour éliminer les gaspillages dans les flux, on dispose d'un certain nombre d'outils, dont le plus connu est le Kanban. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'un Kanban ? J'ai illustré ici en vous donnant deux postes. Un poste qui est censé produire des éléments qu'on va passer dans un stock intermédiaire et qui seront consommés ou transformés par un second poste, le poste numéro 2. Lorsque, et vous le remarquez bien, je commence par le poste numéro 2. Lorsque le poste numéro 2 aura besoin d'un élément, il va aller le chercher dans son stock, il va détacher un petit carton, qu'on va justement appeler Kanban, Kanban signifiant petit carton, qu'il va retourner au poste de production dans une FIFO. Et le poste numéro 1, lui, va faire son boulot simplement en dépilant cette FIFO et en produisant ce qu'on lui demande de produire. Et lorsqu'il aura reproduit un élément identique, il recollera le même carton et il enverra tout ça au stock. Donc, en fait, à l'origine, Kanban, c'est, comme je le disais, petit carton. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi un chariot vide, placé dans un endroit que vous avez matérialisé au sol, qui signifie, ben, s'il y a dans cet endroit-là un chariot vide, ça veut dire qu'il faut le remplir. Il faut produire pour le remplir. Voici un exemple de Kanban tel qu'on les voit fleurir dans l'industrie automobile ou aérospatiale. Voici un autre exemple de Kanban dans l'industrie logicielle. Alors, je ne vais pas pouvoir passer beaucoup de temps sur le Kanban. Je pense que ça pourrait nécessiter une intervention complète, peut-être l'année prochaine, au prochain Agile Tour. Il faut savoir que cet outil-là est une source de polémique, le mot est peut-être un peu fort, entre spécialistes d'agilité, entre les tenants de Scrum et ceux de ce qu'on appelle maintenant la méthode Kanban, avec un K majuscule, ils y tiennent beaucoup, qui a été déposée par des Américains. En gros, il faut savoir que cet outil-là, c'est un outil qui doit... C'est d'abord un outil de management visuel. Le management visuel étant un des fondamentaux aussi du Lean et de l'agilité. Donc, c'est un outil de management visuel qui doit vous servir à quoi ? Il doit vous servir à manager, à voir circuler vos flux de matière, c'est-à-dire votre flux de production. Et au premier coup d'œil, vous devez pouvoir, sur ce Kanban, repérer des anomalies. Repérer, par exemple, que vous avez trop d'encours, trop de modules en développement. Si vous avez 3 personnes, vous ne pouvez pas avoir 15 modules en cours de développement. Ça n'est pas possible ou c'est un problème. Vous devez pouvoir aussi repérer les points d'accumulation. Si vous avez un point d'accumulation quelque part, eh bien, ça veut dire que votre flux n'est pas continu, qu'il y a un point qui bloque, donc qu'il faut peut-être embaucher ou mettre quelqu'un sur tel ou tel aspect de la production. Donc, après, et ça on l'a déjà dit ce matin, il faut le redire, le meilleur Kanban, ce sera le vôtre. Il n'y a pas de vérité, il faut encore une fois mettre un en place et puis vérifier qu'il répond bien à vos attentes, c'est-à-dire qu'il vous permet de vérifier que votre flux de production s'écoule bien et toujours tiré. L'important, c'est de ne pas avoir de stock, donc de modules, trop de modules en cours de développement, mais juste ce qui est utile dans le flot de production. Maintenant, faire apparaître les problèmes, tout d'abord dans la conception du produit. Alors, là, vous savez qu'il est très très difficile de produire un bon cahier des charges, un bon document de spécification fonctionnelle. Il n'y a rien de plus difficile que de produire un bon document. Il y a une chose qui est plus difficile, c'est de savoir le lire, de le lire correctement.
Et ça n'est pas parce que vous avez produit un bon document, que vous l'avez passé à votre client, que le client a mis un bon à tirer, un bon à développer, en disant c'est tout bon, etc. Bon, vous savez, si on est dans une méthode traditionnelle, au bout de 6 mois, le client dit « Ah tiens, j'avais pas bien lu, j'avais pas compris tout à fait ça, ce que vous avez produit n'est pas tout à fait conforme à ce que j'imaginais. » Alors, même si c'est le client qui fait le cahier des charges, qui sait donc ce qu'il y a dedans, on n'est pas du tout sûr qu'au bout du compte, vous ayez parfaitement réalisé ce qu'il avait en tête. Donc pour ça, la méthode, c'est effectivement de lui faire voir le plus rapidement possible ce que vous êtes en train de produire. Alors, ça peut être utile aussi de lui livrer le plus rapidement possible une préversion. Ça peut lui permettre aussi, si vous connaissez la loi de Pareto, 20-80, comme le client n'utilise que 20% des fonctionnalités, eh bien, vous lui livrez ces 20%, il peut éventuellement mettre en service tout de suite et démarrer ses opérations beaucoup plus rapidement pendant que vous lui réalisez les 80% qui suivent. Même si on n'est pas dans une position où on peut lui mettre en service les 20%, vous avez de toute façon intérêt à lui montrer ce que vous êtes en train de faire, toujours pour repérer les problèmes le plus vite possible. C'est ne jamais enterrer les problèmes, parce qu'un jour ou l'autre, ils ressurgissent, et lorsqu'ils ressurgissent, ils ressurgissent en catastrophe. Alors que si vous les faites sortir au jour le jour dans les équipes ou tous les 15 jours, toutes les 3 semaines auprès du client, vous êtes à peu près sûr de pouvoir traiter ces difficultés en temps. Alors, ceci, 2 mots encore, on va vous présenter ça comme l'alpha et l'oméga de l'agilité. C'est aussi une source, un très grand frein. Parce que j'entends déjà certains parmi vous, parce que j'en ai déjà entendu beaucoup dans ce domaine-là, « Oui, mais mon client à moi, il a des contraintes ou il m'impose des contraintes contractuelles, c'est pas possible, je peux pas faire de l'agilité, je peux pas lui livrer tous les 15 jours, je peux pas lui montrer, etc. etc. » Et effectivement, les agilistes rêvent beaucoup d'un client qui viendrait en demandant « Tiens, je voudrais vous acheter 4 ou 8 semaines de développement. » où je vais vous acheter 2 ou 3 sprints. Alors ça, que les agilistes ne rêvent plus, des clients comme ça, il n'y en aura jamais. Le client, il arrive avec son problème, il espère repartir avec une solution. Donc, le fait d'avoir un client qui ne rentre pas forcément dans ce moule-là, ça n'est pas forcément rédhibitoire. Ça ne vous dispense pas de vous organiser complètement en ligne et en agilité, pour essayer de résoudre, de réduire tous vos gaspillages et de trouver la bonne technique avec lui, quelle que soit la manière dont vous contractualisez avec lui, d'essayer de lui montrer ce que vous êtes en train de faire, de prendre son avis et de vérifier que vous n'êtes pas en train de partir sur une voie de garage ou dans une mauvaise direction. Maintenant, faire apparaître les problèmes dans les méthodes, et j'ajouterai dans les équipes. Alors, dans les méthodes, je le répète, c'est management visuel, contrôle continu, résolution des problèmes sur le terrain, standardisation, organisation, je dirais c'est presque ça le plus important, et l'amélioration continue. Pour les équipes, on en reparlera. Très rapidement, je voudrais vous illustrer une autre méthode, mais juste pour illustration, du management visuel, qui permet de résoudre certains problèmes. C'est par exemple la méthode des 5 S, qui est très utilisée dans l'industrie, mais pour laquelle on retrouve à peu près la même chose dans notre production logicielle. C'est en gros faire le ménage pour s'éviter les problèmes. Alors ça, c'est le coach Olin qui parle, le coach personnel, il pourrait dire à certains, c'est ne vous créez pas de problème avec la femme de ménage. Là, c'est faites le ménage pour éliminer les problèmes. Premier S de cette méthode, c'est supprimer. C'est-à-dire dans votre garage, si vous avez des problèmes de place, vous virez tout ce que vous gardez parce que ça pourrait servir et que de toute façon, le jour où vous en aurez besoin, vous ne le retrouverez plus. Eh bien, en matière de production ou en matière de logiciel, c'est la même chose. C'est-à-dire virer, même si la surface disque dur ne coûte pas cher, virer tous les documents ou archivez-les au mieux, tous les documents qui sont devenus obsolètes, dont vous ne savez plus à quoi ils servent, pourquoi vous les avez produits, etc., vous les éliminez
et vous vous concentrez sur ceux qui sont, vous mettez en exergue ceux qui sont toujours actifs. Deuxième S, c'est situer une place pour chaque chose à sa place. Alors là, c'est dans les ateliers, c'est pour ça que si vous avez un bon garagiste, il a dessiné sur son panneau l'emplacement de ses outils. Vous, vous devez savoir précisément où se trouve toute information, où se trouvent les sources, ça on ne les perd jamais, mais lorsqu'on cherche une information, on doit savoir où la trouver de façon instantanée. Troisième S, c'est scintiller, nettoyer. Alors, si on reprend l'exemple de votre garage, si vous faites le ménage sur le sol de votre garage, vous repérerez instantanément la fuite d'huile qui annonce la panne. Si votre sol est jonché de sûre, de poussière, etc., la fuite d'huile, elle se rappellera à vous sur la voie de gauche, sur l'autoroute, lorsque votre moteur explosera. En matière de développement logiciel, c'est peut-être un peu moins grave dans certains cas, mais il faut savoir faire le ménage, et en particulier que la lecture d'un code source soit claire et limpide. Les bugs se cachent aussi dans la poussière du code. Je ne sais plus, j'avais une chose à dire là-dessus, mais ça n'est pas grave. Donc, faites régulièrement le ménage, oui. Effectivement, il ne faut pas, tout de suite, il ne faut pas se poser la question de savoir, tiens, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Ça, le suspense, c'est bon pour les romans policiers, jamais pour la lecture du code. Le quatrième S, c'est standardiser, c'est-à-dire que pour réussir les trois premiers, tout doit être standardisé. C'est-à-dire vous écrivez les méthodes de production de code, c'est-à-dire que tout le monde doit écrire le code de la même façon, etc., etc. Donc standardisation, c'est toujours l'un des fondamentaux. Et le troisième, c'est suivre, c'est-à-dire que tout cela, la standardisation n'est jamais figée. Un standard, il doit évoluer. Et donc vous devez en permanence vous poser la question, est-ce que mes standards sont bons et qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer? Et tout cela, on le fait éventuellement par des méthodes de type PDCA, classique que je ne décrirai pas plus avant. Dans les processus de développement, j'ai donc parlé du contrôle continu. Ne jamais attendre la qualification en bout de chaîne, ne pas passer de week-end avant la livraison du lundi pour réparer des bugs, on fait du contrôle continu et on détecte les erreurs au fur et à mesure. Donc là, je l'ai illustré par ce qu'on appelle les poka-yoke, c'est les petits trucs que font les opérateurs pour dire est-ce que je suis en train de produire répond au bon gabarit, est-ce que j'ai pas mis le trou 3 cm plus loin, etc. Donc, c'est le test, détecter les erreurs en cours de développement. Et alors j'ai mis développer les tests parallèlement au développement. Beaucoup préconisent, c'est le TDD, de les faire au contraire bien avant et de commencer par les tests. Le fait de commencer par les tests produit en général un code et une architecture bien meilleure. Parce que par exemple, vous avez une classe à développer, développer le test de cette classe vous amènera une bien meilleure architecture, en tout cas une bien meilleure interface de cette classe. Donc développer les tests en premier, il y a un double bénéfice, je dirais. Deuxième chose, construire et tester en continu. C'est-à-dire dès qu'un développeur a fait un commit de son source dans la base de données de source, eh bien, automatiquement, on doit démarrer le processus de construction, compilation, link, test, etc., etc., en sachant gérer les signaux d'alerte. Alors, les signaux d'alerte, traditionnels, souvent, en matière de logiciel, c'est si ça ne se passe pas bien, ben, on envoie un SMS ou on envoie un mail, etc. Moi, j'aime bien aussi, comme dans la production, ce qu'on appelle les andons, c'est-à-dire sur une machine, vous mettez un dispositif, feu rouge, feu vert, feu orange, et puis si le feu est au rouge au-dessus de la machine, ben c'est que la compilation, il y a une compilation qui n'est pas passée, ou un test qui n'est pas passé. À ce moment-là, la priorité absolue, c'est de savoir pourquoi ça n'est pas passé. Et c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça devient, si une compilation, une construction automatique ne passe pas, la priorité absolue, c'est de savoir pourquoi elle n'est pas passée et de réparer tout de suite. Et en général, c'est assez simple parce qu'on repère tout de suite que c'est tel module qu'on vient de committer dans la base et que c'est celui-là qui pose problème.
Tout cela étant destiné à construire de la qualité intrinsèque. Maintenant, faire apparaître les problèmes dans les équipes. Donc là aussi, il faut mettre en place un certain nombre d'outils. Parce que je suis sûr qu'il vous est arrivé, même si vous faites une réunion toutes les semaines pour voir l'état d'avancement, etc., que de constater qu'un ingénieur de bonne foi et même bon, il a passé sur un problème 2 jours alors qu'il aurait pu n'y passer que 2 heures. Et ça, c'est une source de gaspillage de temps absolument énorme. Et donc la réponse à cela, la réponse classique, c'est le stand-up meeting tous les matins. C'est une réunion qui n'est pas destinée à résoudre les problèmes. Elle est destinée à faire surgir les problèmes, à éviter de les enterrer et de vous apercevoir que seulement au bout de 3, 4 jours, voire 15 jours, qu'un ingénieur avait un problème. Le fait de faire le tour, de demander à ce que chacun exprime ce qu'il a fait la veille, quel est son objectif de la journée, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, ça fait surgir tout de suite les problèmes. Et souvent, même sans avoir à les résoudre profondément, le problème, je dirais, disparaît ou est pris en charge relativement simplement par la personne qui a exprimé clairement ce problème-là. Donc encore une fois, on ne perd pas de temps à résoudre le problème en question. On le fait apparaître. Ensuite, et ça je n'avais pas prévu d'en parler, mais dans l'industrie, en tout cas, on met en place en général ce qu'on appelle l'AIC, l'animation à intervalles courts. C'est-à-dire que ce qui se passe au cours de ce meeting quotidien, on fait remonter un certain nombre de problèmes à un niveau au-dessus, ou un niveau hiérarchique, c'est pas vraiment hiérarchique, mais un niveau de technologie un peu au-dessus, va examiner tous ces problèmes et voir s'il y a des conclusions à en tirer. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas classique, en tout cas qui n'est pas préconisé par Scrum, mais qui est complètement, lui, intégré au Lean Management. Deuxième moyen de faire surgir les problèmes dans les équipes, c'est un peu plus anecdotique, mais certains le mettent en place et je trouve que c'est intéressant, c'est le calendrier Nico-Nico, qui consiste pour chacun, lorsqu'il part, à prendre une petite pastille, une petite gommette verte, jaune ou rouge, et puis la coller, pour moi de façon anonyme, je le préfère, mais on le colle sur un calendrier. Et l'accumulation de gommettes rouges une journée eh bien, montre qu'il s'est passé des choses, etc., à vous, au management, d'en tirer quelques conclusions. Parce que si les problèmes se résolvent sur le terrain, en agilité, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas chercher à les faire remonter et à ne pas s'en préoccuper. Donc c'est aussi un moyen de, encore une fois, de ne jamais masquer le problème. C'est toujours faire apparaître les difficultés. Une difficulté qui est apparue, elle est résolue quasiment dans la foulée. Avant-dernier point, c'est l'amélioration continue. Dans un système classique, quand ça marche, on ne touche pas. Surtout pas, parce qu'on pourrait casser. Pas plus tard que lundi aussi, tiens, j'avais vu France Télécom, mais j'avais vu aussi mon dentiste. Il me dit, tiens, on vient d'avoir une nouvelle release sur la télétransmission des feuilles de maladie. Et ça ne marche pas aujourd'hui, on est obligé de faire des feuilles à la main, et comme d'habitude, il va nous falloir 3 mois pour nous en remettre. On bricole pendant 3 mois, puis finalement ça se stabilise, et pendant 12 mois, 18 mois, on est tranquille, puis arrive la release suivante, et puis ça repart, etc. En Lean, ça marche, on améliore quand même. C'est-à-dire on dit traditionnellement, l'absence de problème est un problème. Ou si on vous dit qu'il n'y a pas de problème, c'est louche. De toute façon, tout est améliorable. Alors je ne sais pas si vous connaissez sans doute le mot de Freud qui répondait à une dame qui disait « Mais comment dois-je faire pour élever mes enfants ?» Faites comme vous voulez, de toute façon, ce sera mal. De toute façon, quelle que soit la façon dont vous fassiez de l'agile, tout est améliorable. Ça ne peut être d'abord que votre façon à vous, de la même façon que vous n'avez pas élevé vos enfants comme le voisin. Vous ferez de l'agilité qui ne sera pas la même que le voisin. Mais de toute façon, ce sera la vôtre. Et ce sera la bonne si vous cherchez à l'améliorer de façon absolument permanente. Pour cela,
il y a de nombreux outils et surtout des. J'ai cité deux types de réunions. Première réunion, c'est le chantier Kaizen. Alors le chantier Kaizen, c'est que dans tous les problèmes que l'on peut avoir, on va en repérer un. En général, celui dont on imagine qu'il va nous faire faire le plus de progrès, le plus de gains en matière de productivité. Et puis on va réunir une équipe pendant 3 jours. On va faire un séminaire, 3 jours, 3 semaines. Enfin, on va prendre le temps qu'il faut. Et au bout du compte, on va sortir avec une solution et on va mesurer l'amélioration de la productivité. Les réunions on sales, c'est un peu différent. Ça, c'est une réunion systématique. Alors ça fait partie du cérémonial Scrum. C'est en fin de sprint, on consacre 20 minutes à 2 heures, rarement de plus, pour voir de quelle façon l'on a travaillé. C'est-à-dire que ça n'est jamais une réunion technique client, enfin fonctionnelle. C'est toujours, je regarde comment j'ai bossé et est-ce que j'ai bossé de la bonne façon. Et s'il y avait quelque chose d'améliorable, je vais repérer une chose, je vais me fixer un objectif et un seul, et je vais essayer d'améliorer ça dans le sprint suivant. Tout cela étant bien sûr sur une couche stable de ce travail complètement standardisé, le tout étant mu par l'intelligence collective, améliorée par l'intelligence collective. Intelligence collective que l'on va pousser, faire naître en organisant l'équipe, en n'oubliant pas les leçons apprises, en ne refaisant jamais les mêmes erreurs. Quelque chose que je ne vous ai pas dit peut-être, oui, dans un... chez Ford, il est absolument hors de question que l'on arrête une chaîne de production, qu'un opérateur arrête une chaîne de production. Chez Toyota, non seulement c'est autorisé, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on repère quelque chose qui ne marche pas, on arrête la chaîne, on regarde où est le problème, on en tire des enseignements, et ensuite on redémarre la chaîne en étant assuré que ce problème-là ne se reproduira plus. Ça en produira peut-être d'autres, mais celui-là, on est sûr, on redémarre quand on est sûr qu'il ne se reproduira plus. Donc, ne pas refaire les mêmes erreurs et enregistrer les raisons de vos choix et de vos décisions. Alors ça, c'est très très important quand on dit pas de documentation. Quand on fait de l'audit dans un code, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, un client qui faisait du traitement de son, et puis un de ses clients disait, bah oui, mais moi je ne veux pas faire de la stéréo, je veux faire du mono, j'ai des raisons, je veux faire du mono, sur un traitement de son très particulier. Et le développeur interrogé dit, ah oui, mais on avait un temps c'était paramétrable, là on l'a forcé dans le code, il y a une raison, je ne sais plus. Bon, la régression, elle se cache dans les pertes de mémoire. Et je mets quiconque au défi de prendre une décision dans un logiciel et de s'en souvenir 2 mois après. Donc, il faut enregistrer toutes les raisons des choix techniques et les enregistrer au plus proche de la source, en cherchant le bon équilibre entre ne pas faire de documentation et en faire, c'est à vous de faire le bon équilibre. Et puis organiser le partage des connaissances dans l'équipe, en respectant les personnes, c'est-à-dire que, alors, en Scrum, on parle de sprint, le mot sprint n'est pas bon, parce que sprint, c'est on court, etc., et on sait bien qu'on ne peut pas passer sa vie à sprinter. Donc, il faut bien savoir que le sprint, on doit respecter les personnes et on doit être en permanence capable de maintenir ce rythme-là, en ménageant des temps. Alors, il y a une personne tout à l'heure qui posait une question sur la motivation. Il y a quelque chose qui est très très bon sur la motivation, c'est de laisser aux gens, au cours d'un sprint, le temps d'expérimenter ce qu'ils veulent. Alors, je crois que Google fait ça très très bien. C'est la journée, ou 2 journées par mois, je ne sais plus, où le développeur fait ce qu'il veut, il invente ce qu'il veut, et on voit ce qu'il en sort. 20% du temps, voilà, c'est énorme. Mais bon, moi je pratiquais cela avant qu'on parle d'agilité. Bon, c'était une demi-journée par semaine, où la plupart des ingénieurs prenaient ce temps-là pour aller voir les nouvelles technologies, etc. Et ça vous donne, au bout du compte...
vous utilisez, il faut savoir utiliser en fait le gain de productivité, parce que normalement tout cela c'est fait pour améliorer le travail d'équipe et aussi pour faire des gains de productivité. Si vous organisez, si vous réinvestissez ce gain de productivité, non pas en le donnant à vos investisseurs, mais en donnant du temps à vos ingénieurs, eh bien vous gagnerez aussi beaucoup. Donc voilà, en résumé, souvenez-vous que la mise en œuvre d'un cérémonial n'est jamais un objectif, que c'est un outil qui vous permet d'atteindre un objectif. Et pour cela, dans les fondamentaux, essayez de repérer et éliminer les gaspillages, sachant qu'il n'est jamais évident de repérer, de savoir, de prendre conscience que telle ou telle action que l'on fait depuis des années est en réalité un gaspillage. Il n'y a rien d'évident, donc ça demande un peu de travail. Faire apparaître les problèmes, c'est-à-dire ne jamais attendre le bout du tunnel pour voir que vous avez un problème potentiel, parce que le problème, il apparaîtra un jour ou l'autre. Donc, faites-le apparaître tout de suite. Standardiser et automatiser, c'est-à-dire il est hors de question de perdre du temps à refaire les mêmes erreurs, je sais que pour mettre en service ou pour livrer, je dois faire telle et telle action, mais si ce n'est pas standardisé, écrit, automatisé, eh bien fatalement, vous oubliez un truc, vous dites « Ah ouais, mince, j'ai oublié ce truc, mais ce n'est pas grave, je le fais », sauf qu'entre-temps, vous avez perdu du temps. Adoptez ensuite les pratiques communes. Alors, les pratiques communes de l'agilité, ça, on peut pratiquement faire le tour de toutes les méthodes. Je pense qu'on va retrouver la gestion du code source et la construction par script. Ne jamais rien faire manuellement parce que vous aurez forcément à le refaire plusieurs fois, donc en faisant des erreurs. Les tests automatisés, l'intégration continue, la réduction du code, chaque fois que vous le pouvez, parce qu'effectivement les bugs se cachent dans le code, plus le code est gros, plus il y a de bugs. Les itérations courtes. Alors les itérations courtes, c'est surtout fait pour le cinquième, qui est l'implication du client, sachant que vous devez essayer d'impliquer le client, là aussi, pour, encore une fois, repérer, faire apparaître les problèmes dans la direction que vous avez prise. Et avant de vous passer la parole, donc souvenez-vous que le Lean n'est pas une méthode, mais une philosophie, et donc que c'est un peu la raison pour laquelle on considère que c'est un surensemble de l'agilité, avec plein d'outils que l'on peut mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et je terminerai, moi, par remercier les sponsors sans qui nous ne serions pas là, bien évidemment. Et donc, si vous avez des questions, je pense que je suis à l'heure à 7 minutes. Voilà. Donc, je répondrai très volontiers à quelques questions. J'aurais aimé revenir sur le MUDA de stock. Tu es passé assez rapidement. Enfin, pour moi, en tout cas, je n'ai pas vraiment compris. Je crois que tu as expliqué que c'était que le stockage et la non-livraison rapide coûtaient cher. J'aurais aimé que tu expliques pourquoi. Alors, oui, c'est d'ailleurs ça un peu l'origine de l'émergence de la méthode Kanban par rapport à Scrum. En fait, l'objectif est de limiter les encours, tout ce qui est en cours, c'est-à-dire tout ce qui est en cours de production. Sachant que dans les encours, il y a aussi des stocks intermédiaires. C'est-à-dire que si l'on veut diminuer le temps entre le moment où le client vous passe commande et le moment où vous lui livrez une release, vous ne devez faire que strictement ce qui est strictement nécessaire à cette bonne livraison. Donc, un module que vous avez mis de côté pour le reprendre, d'abord ça vous fait un passage d'une tâche à l'autre qui n'est jamais simple. Donc ça aussi il faut l'automatiser ou en tout cas le standardiser. C'est-à-dire que vous abandonnez un travail pendant une semaine, vous ne savez plus, il vous faut un certain temps pour vous remémorer où est-ce que j'en étais, comment est-ce que je reprends, quels étaient les soucis que j'avais, etc., etc. Donc standardiser à ce niveau-là, ça veut dire si on doit le faire, eh bien on prépare au moment où on arrête, on passe les heures nécessaires pour noter où est-ce que l'on en était, quel était le souci,
pour que le jour où vous redémarrez, ben vous asseyez devant le clavier, vous appelez le module et vous savez que vous en étiez là, il faut redémarrer là, voilà quel était le problème à résoudre, etc. etc. Donc de toute façon c'est une perte du temps, donc vous avez intérêt à ne pas le faire et à éliminer ce stock-là. Et ensuite, réduire le temps, le lead time, entre le temps où le client passe commande et le moment où on le livre, il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Il y a encore quelques années, on disait, bien, c'est un peu comme pour mon dentiste, là, une release tous les 2 ans, ça suffit, parce qu'il me faut 3 mois pour m'en remettre. Aujourd'hui, on raccourcit ce temps énormément. Et alors, Microsoft, sur ses grandes releases qui sont payantes, puisqu'il ne les livre pas, il ne livre pas Windows 8 pour le prix de Windows 7, c'est 2 ans à peu près. Pour les releases intermédiaires, les bugs, etc., bah, vous en avez au moins une par semaine, ou c'est de l'ordre de la semaine. Chez Google, c'est dans la journée, c'est-à-dire qu'un truc, voire plusieurs fois dans la journée, alors c'est vrai que c'est plus facile d'automatiser lorsqu'on est purement web. Mais donc la tendance, c'est de raccourcir ces temps-là, et le temps, tout le monde doit être réactif, c'est-à-dire vous avez intérêt à être réactif, votre client qui a besoin de logiciels, s'il en a besoin, c'est aussi pour produire de l'argent, pour produire de la richesse. Donc, vous avez intérêt à le livrer le plus vite possible. Et dans un service client, si vous organisez... Alors, je crois que vous avez quelque chose sur la maintenance, la tierce maintenance. Alors ça, où on dit, le lean ou l'agilité dans la tierce maintenance, en fait, c'est au contraire un domaine où l'agilité... s'installe, à mon sens, très très facilement et où il est très très utile. Parce que dire à un client « Oui, mais votre bug, là, il n'est pas bloquant, donc je n'ai pas l'obligation de vous réparer dans l'heure, donc vous verrez la release suivante. » Et puis la release suivante, elle arrive quand on m'impose pas moins de 2 mois, donc ce sera au mieux 2 mois, peut-être la suivante dans 4 mois, etc. etc. Ça, ce n'est pas la bonne réponse au client. La bonne réponse au client, c'est une release toutes les 3 semaines. Et puis, à condition que ce soit un pas sans régression, etc., qui soit complètement transparent pour lui. Donc, il n'y a aucune raison de le faire attendre pendant 3 mois une nouvelle release qui va corriger quelques bugs qu'il a repérés. À quoi on détermine que c'est une bonne journée ou une mauvaise journée ? Je veux dire, un développeur, par exemple, qui... doit intervenir sur une production ou un truc comme ça, on sait que c'est nécessaire, ça va être peut-être très bénéfique ce qu'il va en déduire, il va peut-être juger que c'est une mauvaise journée. Comment on qualifie ça? Et puis, ça en découle une deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on en tire de ce type d'information? Alors, d'abord, c'est son appréciation à lui. C'est lui qui sent... C'est pas forcément objectif. Il n'a pas bien senti sa journée, et puis bon, ça ne s'est pas bien passé. C'est peut-être qu'il s'est mal levé, il s'est levé du pied gauche le matin, que son petit-déj n'était pas bon, que le café était brûlé. Enfin bon, c'est sa vision à lui. Après, qu'est-ce que l'on peut en tirer? Eh bien, c'est comme toujours dans les ressources humaines, il faut savoir se débrouiller avec aussi, et sachant qu'une mauvaise opinion, ce n'est pas forcément... négatif pour le client, on n'a peut-être pas perdu beaucoup de temps, mais s'il ne se sent pas bien, et s'il ne se sent pas bien 15 jours de suite, c'est qu'il y a un problème. Alors, comme c'est... moi, je préconise de le faire de façon anonyme, donc vous n'allez pas repérer l'individu qui a mis le truc rouge tous les jours. Mais c'est quand même la meilleure façon de... Si c'est nominatif, si on repère qui le met, etc., je pense que ça enlève un peu de la spontanéité, il y a des gens qui n'osent pas, etc. Après, c'est à vous, il y a d'autres méthodes plus traditionnelles. Enfin, je veux dire que les ressources humaines, on n'a pas attendu l'agilité pour essayer de les gérer, donc il faut les gérer. C'est un élément parmi d'autres. Si toute l'équipe, si vous avez l'impression que ça avance et qu'il y a la moitié de post-it, enfin de ronds qui sont rouges, voilà, il faut se poser la question. Après, il n'y a pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse en tout cas, mais ça veut dire que ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Et c'est pas plus que ça. Pas plus que ça, mais ça permet de faire remonter des sentiments. Quoi. On parlait aussi de rémunération. Ça, pour moi, c'est un faux problème, la rémunération. Il n'y a pas plus ni moins, hélas,
de problèmes de choix de rémunération en agilité qu'en traditionnel. Le principe, c'est que en Lean, normalement, il n'y a pas besoin de noter les gens. On note l'équipe, enfin, on mesure l'efficacité de l'équipe. Après, l'efficacité de chacun, elle vient du fait qu'ils arrivent le matin en étant dans une équipe où ils peuvent apporter quelque chose, où ils seront écoutés, où on leur demandera éventuellement d'apporter des nouveautés dans 20% de leur temps ou moins. Bon, c'est le fait d'arriver au boulot dans une équipe où ils ont envie de bien bosser qui fait que tout se passe bien. Après, il n'y a pas besoin de noter individuellement les gens spécifiquement. Les bons, on les repère toujours, ils sortent quand même de toute façon toujours du lot, quel que soit le système. Eh bien, je vous souhaite donc bon appétit, s'il n'y a plus de questions.